Voici l'image que reflète la ville de Douala depuis quelques mois. Des clichés d'une capitale économique insalubre et puante. Une ville où des tas d'immondices tutoient les passants et narguent les mairies. C'est la pure saleté. On doit vraiment nettoyer ça. Presque partout dans les coins de la rue, tu vois les ordures là. Il y a les quartiers même qu'ils ont campé, fait pratiquement 3 mois avant de venir. Bien, même le jeudi pop qu'on a installé, on a instauré ici là, tous les jeudis pop, de nettoyer les rigoles, de nettoyer les bordures de la route. Quand on nettoie là, on vient vers cela. C'est là, ça s'accumule. Ajouté à cet environnement insalubre, il y a l'incivisme des populations, notamment les mototaximènes, et commerçants qui envahissent les trottoirs. On est vraiment exposé, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Donc on doit toujours garder là parce qu'on doit porter les clients par ici. Il y a un qui veut tourner là, comme vous voyez là. S'il y a une voiture qui est en train de venir, ça va causer l'embouteillage. Et s'il y a une moto qui cherche à faufiler, on va voir les accidents. Et tout. La capitale économique veut désormais tourner la page à travers un programme appelé Douala Clean City qui vise à opérer le changement de comportement des populations sur les questions liées à la propriété urbaine. La mairie doit faciliter à la population de mettre les bacs à ordures et mettre à leur disposition peut-être les poubelles dans les maisons. Chacun devra avoir un sac ou un bac à ordures chez lui et garder ses ordures chez lui au moins 48 heures avant de les mettre dehors. Que les trottoirs et principalement ceux de l'axe névragique allant de la Soudanaise en passant par la Douche pour aboutir à Mobile, ainsi que les autres axes routiers, que les trottoirs, disais-je, cessent d'être transformés en espace marchand. Le programme vise à rendre la ville de Douala salubre et attractive.